Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Seigneur Dieu, nous voici encore à nouveau devant ta sainte face. Avec nos manquements, avec nos faiblesses, façon que Seigneur, tu puisses visiter notre âme, notre esprit et notre corps, et que tu puisses apporter au compte ce qui manque. Seigneur Dieu, nous te remettons notre vie. Nous la plaçons devant ton autel. Et par ta parole, Seigneur, purifie-nous avec cette petite foi, afin que ta vie, Seigneur, soit notre vie. Car nous savons que nous sommes le Saron. Nous savons une chose, Seigneur, que toi tu es le trône. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta vie, parce que tu ne pouvais pas porter les fruits en ton temps. Oh, c'est en ce temps-ci, Seigneur, que les branches ont poussé, pas des branches dénominationnelles greffées. Mais Seigneur, la vraie vigne originale, laisse qu'au travers de ceci, les âmes soient délivrées et que ça puisse apporter la vie. Et si en ce lieu, Seigneur, il y a des mauvais esprits qui sont contraires à ta parole, nous la déclarons impuissante dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Alors soutiens-moi ce soir, afin que la parole ouente devienne chère dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
C'est un privilège pour moi d'être encore à nouveau ici. Parler de sa parole. Je crois que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu. Parce que cette parole est pour nous la vie. Le mercredi, nous avons essayé de parler sur l'importance du mariage. Et nous avons vu que l'importance du mariage ou ce qui fait le mariage, c'est le vœu. Et que lorsqu'il n'y a pas de vœu, c'est le mariage noamique. Donc c'est à ce temps-là que les gens outrepassaient les lois de Dieu. Et ils préféraient faire ce qui était bon à leurs yeux. Et Dieu s'était mis en colère contre cela car cela avait usé sa patience. Voyez-vous, les gens outrepassaient les lois de Dieu et ils faisaient ce qui était bon à leurs yeux. Alors en cela, l'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir cédé son esprit de conduire les hommes. Parce que tous les jours, les pensées des hommes allaient vers le mal. Et Frère Madame dit, la répétition de cela se fait à nos jours. Aujourd'hui aussi, nous vivons la même scène. Comme cela fut au temps de Noé. Il est dit que la même chose se répéterait au jour du Fils de l'homme. La même chose va se passer en ces jours-ci. Remarquez que Frère Madame dit ceci. Dans le signal rouge de sa venue, ou le signe rouge de sa venue, c'est la même chose. À la page 10, au paragraphe 68, il dit ceci. Remarquez que le mariage, Dieu l'a institué dans le jardin d'Éden. Il est bien certain qu'il a condamné l'adultère. Dieu l'a institué dans le jardin d'Éden. Mais il est bien certain qu'il a condamné l'adultère. Mais en ce temps-là, les hommes et les femmes outrepassaient les lois de Dieu. Et prie sur eux de faire quand même ces choses-là. Faites la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Si vous voulez voir que le train est sur le point d'entrer dans la gare, regardez très attentivement à ce qui se passe aujourd'hui. Comme nous le dit la parole infaillible de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit dans Luc 17 que les mêmes choses qui s'est passées au temps de Noé, la même chose se passera dans les derniers jours. Donc il y aura une répétition de ce qui était là-bas. La même chose va se passer dans nos jours.
nous. Si au temps de Noé, il y avait un prophète, Jésus a promis qu'au jour de sa venement, la même chose va se répéter. Lorsque nous parlons que l'avènement du Seigneur, beaucoup de gens comprennent peut-être que le jour de sa venue, c'est un jour de 24 heures. Le jour de sa venue n'est pas un jour de 24 heures. Mais le jour de sa venue, c'est une période de temps. C'est une période de temps. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il était venu dès que Marie était enceinte. Marie enceinte, c'était déjà la venue du Seigneur. Et lorsqu'il est né, les mages ont vu l'étoile. Et cela fit annoncer aux bergers que le Seigneur, le Christ, le roi est né dans la ville de David. Et toutes ces années jusqu'à 30 ans, alors Jésus a commencé à prêcher. Nous savons que son ministère a duré 3 ans et demi conformément à ce que Daniel avait vu. Alors nous constatons que la vie de Jésus sur la terre étant que homme, et cette vie là en lui, il a passé au moins près de 33 ans et demi. Voyez-vous, c'était beaucoup. Mais lui-même, il dit, que lorsqu'il était du haut de la montagne, il dit, Israël, si vous avez reconnu Jérusalem, si vous avez reconnu le jour de lequel la visitation vous a été donnée. Voyez, Jésus appelle tout le temps qu'il a passé sur la terre le jour. Voyez-vous, tout son ministère sur la terre est c'était un jour. Parce que c'était le jour de la première venue. Et ce jour-là était le jour de Dieu. Parce que le jour, c'est le temps de la lumière. Parce que si nous lisons dans Genèse 1, il nous a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a créé toutes choses et Dieu vit que cela était bon. Et il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque la lumière a apparu, Dieu dit qu'il n'était pas bon qu'il y ait cohabitation de la lumière avec les ténèbres. Alors les ténèbres ne devaient pas cohériter ensemble avec la lumière. C'est ainsi que Dieu appelait la lumière jour. Lorsqu'il dit le jour de la première venue, il dit le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il dit vous resterez tant de jours. Mais le jour de la
vengeance viendra. Voyez-vous, lorsqu'on parlait du jour de la venue, et nous voyons que lors de la première venue, il n'y était pas un jour de 24 heures que Dieu était venu et il est reparti. Non, c'était toute une période de temps où la parole s'est manifestée. Et la parole manifestée, c'est cela la lumière. La parole, lorsqu'elle se met au travers d'une chair, c'est le jour, c'est la lumière des jours lorsque vous le voyez. Et Genèse 1 appelle la lumière le jour. Et Jésus se référant à cela, il dit qu'il y aura le jour de la venue du Fils de l'homme. Et donc il parle du jour où le Fils de l'homme s'apparaîtra. Alors les gens ont l'impression que ce jour-là est l'heure de la venue du Seigneur, c'est le jour de 24 heures. Dieu n'est pas dans l'heure de Greenwich. Dieu n'est pas dans ce plan-là. Mais c'est la science qui a établi cela. Amen. Dieu n'utilise pas notre monde. Mais il a sa montre à lui. Il a sa logique à lui de la manière dont il agit. Voyez-vous, au jour de sa venue, Jésus dit que vous saurez ce jour-là. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Et je crois que vous savez que le jour et l'heure, c'est l'épouse. Le jour et l'heure, ce sont des hommes. Parce que le jour et l'heure, ce sont des hommes qui marchent sur la terre. Parce que c'était ça le mystère que Jésus ne connaissait pas. Lorsqu'il était sur la terre, comme Adam, lorsqu'il était sur la terre, il connaissait tous les mystères. Mais au sujet de Ève, c'était le mystère inconnu d'Adam. C'était la grande révélation que Dieu avait cachée, dans lequel il a donné à Adam après son profond sommeil, sa mort. Après que Adam fut frappé dans sa côte, et après que Dieu ait frappé Adam dans la côte et Adam a dormi un profond sommeil ou la mort, et lorsque Dieu l'a ressuscité ou l'a réveillé, la Bible dit que Dieu prit Adam, c'est-à-dire il l'a enlevé. Parce que le mot enlèvement signifie pris en haut. C'est ce qui est utilisé dans la Bible. Après que Dieu prit Adam, alors Adam, après sa mort et sa résurrection, parce que Adam était endormi parce que Dieu l'avait frappé sur la côte. Voyez-vous, Adam était endormi, ensuite Dieu a frappé. Et Jésus aussi était déjà mort. Parce que lorsqu'il vint pour casser ses os, parce que dans ce jour-là, on ne devait pas violer le sabbat. Parce que c'était vendredi, soit demain était le sabbat. Lorsqu'on voulait casser ses os comme celui des brigands, la Bible dit on le retrouva déjà mort. Ah, c'était inutile pour eux de casser les os.
Alors un soldat romain a mis sa lance sur sa côte. Remarquez que le soldat romain, lorsqu'il a mis sa lance sur sa côte, Jésus était déjà mort. C'est pour cela que l'eau et le sang est sorti. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le jardin d'Eden. Adam a dormi d'abord un profond sommeil. Je crois que vous comprenez le langage de la Bible. Parce que Jésus sur la terre, il dit que Lazare dort. Lorsque nous repartirons, nous allons le réveiller. Les disciples disent, mais s'il dort, il n'y a pas de problème. La Bible dit, il leur parla dans le langage des hommes. Parce qu'il ne comprit point. Pour dire que Dieu a son langage, mais il leur parla dans le langage des hommes. Dit amen. Parce qu'avant, il leur a parlé dans le langage du millénium. Et maintenant, il leur parla dans le langage de Babel. Il dit non, il est mort. Voyez-vous, le profond sommeil pour Dieu, c'est la mort. Alors il a frappé, il a fait d'abord endormir Adam un profond sommeil. Ensuite, il est frappé dans la corde. Et il avait que Jésus aussi, Jésus était d'abord mort. Et ensuite, il fut frappé dans la corde. Et il a fait sortir l'eau et le sang. Et là-bas, il a fait sortir aussi la même chose. Une force d'Adam. Et ensuite, il a ressuscité. Et après, il a pris. Et après que Adam était pris dans les mains de Dieu, c'est ainsi que Ève a fait son apparition. Ève était la grande révélation d'Adam que Dieu lui a donné. Qui peut dire amen? Parce que votre femme est une grande révélation. Une révélation que Dieu vous a donnée. Voyez, Dieu lui a donné cette révélation. Alors lorsque Adam a reçu Ève, et il a compris que cette grande révélation inconnue, ce n'était qu'une partie de lui-même. Et Jésus aussi, lorsqu'il était sur la terre, il y a les uniques choses qui ne connaissaient pas, c'était vous et moi. Et après sa mort et sa résurrection, son ascension, et Dieu lui a donné la grande révélation qui est l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'est l'Apocalypse? C'est la révélation que Jésus ne connaissait pas lorsqu'il était sur la terre. Et c'est l'avenir de son époux. C'est cela ce que Jésus appelait le jour et l'heure. C'est ce que Daniel appelait la voix. Ou la pierre qui s'est détachée au cours de qu'une main. C'est ce que Jean appelait les sept tonnerres. Je crois que c'est ce que Branham appelait le troisième tour. Et c'est ce que moi je vous dis aujourd'hui. C'est vous et moi. C'est ça ce qui fait le grand mystère de la Bible. Voyez-vous, l'inspiration qui a écrit la Bible, ce n'est pas les hommes qui l'ont écrit. La Bible dit toute écriture était inspirée. Alors, le romancier est plus grand que le roman. L'inspiration est plus grand que les écrits. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui.
Et nous avons vu qu'en ces temps-là, c'est ainsi que les gens vivaient. Mais en ces jours-ci, je parlais sur les jours, les jours de l'avènement du Fils de l'homme. Il dit qu'il y aurait une répétition de ce qui était, c'est ce qui sera. Voyez-vous que les gens se donnaient en mariage et prenaient pour femme. Ils bâtissaient et ils plantaient. Alors ils ne s'en doutèrent de rien. Et ce n'est pas pour dire que Dieu est contre le mariage. Et puis on allait lui dire, remarquez que la Bible dit qu'il mangeait et buvait. Tout cela est légitime, bien sûr. Et il donnait au mariage, il prenait pour femme. Le mariage est honorable. Un homme qui épouse une femme, c'est quelque chose d'honorable. Cela a été institué par Dieu. Mais si cet homme prend la femme de quelqu'un d'autre et qu'il prend une jeune femme, une femme qu'elle a, soit qu'elle, quelle que soit la situation de cette femme, il rend ses vœux de mariage et fait, il fait quelque chose de faux. C'est un péché aux yeux de Dieu. La Bible parle très sévèrement contre cela. La Bible parle sévèrement contre cela. Voyez-vous, Dieu est contre l'adultère. Et il dit que les adultères n'entreront point. Que vous appelez remariage ou polygamie, tout cela est l'adultère. Parce que tout cela est contraire au vœu original. Mon ami dit le remariage, c'est un adultère. Et la polygamie aussi est un adultère. C'est ce que le prophète de Dieu nous a enseigné. Le croyez-vous? Allô, Biboué. La semence mérite pas avec la dame. La carte à l'été de mon bote et compte à que si comme on a pour tout à la page 16 au paragraphe 71. Il est dit ceci: Marie la Marie la Vierge, Marie Moseka, la foi, condiment, produisit la vraie semence. Bote comme un bote à sol, la vraie semence, parole spirituelle. Faites chair. Voyez-vous, trois femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. Vous écoutez cela?
Et l'une d'elles était en fait une adultère. Dans la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'eut pas tout besoin d'avoir affaire au sexe. Voyez-vous, c'est elle qui produisit la parole faite chère. Même l'adultère, et même la polygamie, c'est toujours l'adultère. Parce que c'est contrairement au vœu. Même le remariage, c'est toujours l'adultère. C'est toujours la même chose. Un homme qui se marie et ensuite il divorce pour aller se remarier, il vit dans l'adultère. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Un divorcé remarié, c'est une vie d'adultère. Voyez-vous, quand il n'y a qu'une culture qui essaie de le permettre de le faire ainsi. Il n'y a aucune écriture, mes frères, qui le permet de se remarier. Voyez-vous? Sakura lobi. Si. Lobi boy. Je vais chercher une citation. Akulu kesi kama komo sakura loba boy. Qui paraît plus clair. Oui, comment ça m'a kamo polele. Sur le remariage. Matina kobo malibala poke lisi sokobala. Baba namidi. Utakula kolo baboye. Prenons mariage et divorce. Tu kabata na katia kobala na peko malibala. Il dit ceci. Allo biboye. Au paragraphe 185. Il dit. Vous voyez. Moni. Il dit ceci. Nous commençons. Maintenant, Matthieu 5, 31. Matthieu chapitre 5, verset 31. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un et de plusieurs citations. La lingette bomona li kariso li kambo pote tomona na tina ya makambo mingi na. Commençons au verset 31. Il a été dit si quelqu'un répudie sa femme et qui lui donne une lettre de divorce, c'est Jésus qui parle. Celui qui a dit au commencement. Maintenant faites bien attention. Si ce n'est pour cause de fornication, la femme, le fait commettre adultère. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'elle se remarie. Quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. Voyez-vous? Elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui, parce qu'il ne s'agit pas d'elle et non pas de lui. Saisissez-vous cela. Il faut suivre la continuité de la parole. Voyez-vous, nulle part il est dit qu'il ne le peut pas. C'est elle qui ne le peut pas. Voyez-vous,
C'est elle qui commet un adultère et non pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible. La fête commettre adultère. Voyez-vous, il a fait commettre adultère parce qu'elle était interdite de se remarier. Dans les questions-réponses, il dit ceci. Il dit ceci. Je prends le paragraphe 206. Il dit: maintenant, je veux que vous remarquiez ceci. Question: un homme peut-il épouser une femme puis se divorcer avec elle et ensuite en épouser une autre? Bongo efesame posa na mobale te aboma libala na mwasi na ye apake nda kobala mwasi mosiso. Et si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous deux les adultères? Ce qui bango nyoso mibale ba te kobala na sima koboma libala. Bango mibale ba kosala ekobo. Eh bien mon ami, je ne veux pas blesser vos sentiments. C'est la vérité, Jésus a dit. Quiconque épouse celle qui est divorcée ou répudiée commet un adultère. Voyez-vous, c'est la vérité. Remarier, c'est l'adultère. Le croyez-vous? Voyez, tout se passe au niveau du vœu. C'est pour cela l'importance du mariage. Le nœud dans le sujet mariage et divorce se trouve là dans le vœu. Voyez-vous? Parce que que signifie le vœu? Vous entendrez les gens dire: non, père, il avait un vœu avec telle femme. Oh non, il avait un vœu avec ce monsieur. Oh non, c'est un divorcé parce qu'il avait un vœu. Voyez-vous, beaucoup de gens répètent vœu. Mais ils ont la conception à eux de ce qu'est un feu. Et voilà la chose qui met du trouble dans le peuple de Dieu. Oh non, il avait un feu, il l'a brisé. Et nous entendons les pasteurs dire: oh non, je vais briser votre feu. Et ensuite, après qu'il a brisé le feu, il dit: tu peux épouser un tel. Vous voyez, ça c'est que la mauvaise interprétation de la parole. Voyez, la mauvaise interprétation de la parole a fait des dégâts même dans l'épouse. Et les gens peuvent permettre aux gens n'importe comment de se faire des promesses. Alors selon les humeurs, et ils se mettent à casser ces promesses. Et ils peuvent encore les donner encore d'autres femmes ou d'autres maris, et a rien de mal là-dessus. Tout cela, c'est parce qu'il y a une théologie mal interprétée quelque part. Si on brise un vœu du mariage, cela signifie que toute leur vie, ils n'ont pas le droit de se remarier. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ils ne peuvent pas se remarier. Et si le monsieur ou la dame se remarie, nous n'avons pas le droit de les consacrer. Parce que ce mariage-là n'est pas légal. Dans les égaux noces, ils sont dans une vie d'adultère. Et il faut que Dieu ait pitié d'eux.
Parce que la place des adultères, c'est dehors, là où il y a les chiens. Alors, qu'est-ce qu'un veut selon Frère Branham? Voilà, le défi se trouve là. Si vous promettez une fille, ça a été. Mais qu'est-ce que promet à une fille, c'est marier. Parce que le vœu vous lie pour toute la vie. Frère me dit, le vœu est valable jusqu'à la mort. Voyez-vous, qu'est-ce qu'un vœu? Vous entendez beaucoup de gens dire non, j'ai un vœu. Oh non, il a brisé un vœu. Mais qu'est-ce qu'un vœu réellement? Qu'est-ce qu'un vœu selon la parole? Quand on a dit ceci, dans la prédication, le sang est certain. Au paragraphe 80, il dit ceci, le sang est certain de 55. Il dit ceci. Écoutez, le 55 du 31 juillet. 1955, il dit, et la première chose, vous savez, quelque chose l'attrape. Elle est attirée par un autre homme. Eh bien, c'est un homme très attrayant. Il est plus attrayant peut-être que son mari. Quelque chose se produit en elle. Qu'elle se sent qu'elle tombe amoureuse de cet homme. Maintenant, écoutez. La parole de Dieu commence à bouillonner au fond de son âme. Et elle rappelle le vœu. Et elle dit, et tu es en erreur, car ton vœu est que tu t'attacheras à cet homme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Peu importe comment il apparaît, que vous soyez une femme ou un homme, Théo sera ira de cette façon. Car votre vœu est que seule la mort pourra nous séparer. Le croyez-vous? Bon, madame. Continue. Dans la prédication, la résurrection de la fille de Jairus. Un an encore plus. Il dit cela au paragraphe 43. Il dit ceci. Il dit, oh là là, la paix viendra dans cette belle maison. Lorsque le père et la mère sont en ordre avec Dieu, quelque chose se produira. Eh bien, dit-il, es-tu d'accord au cas où il m'excommunierait, serais-tu prêt à rester à mes côtés? Ici, Frère Branham est en train de parler, après que Jairus, ce croyant poltron, il croyait en Jésus. Et il était membre d'une certaine assemblée ou d'une certaine église. Alors lorsqu'il écoutait Jésus prêcher, et il voyait les signes et les miracles, c'est quelque chose était rentré en lui. Voilà qu'il se retrouvait sa femme, son enfant était mort. Et
apprend que sa femme, sa fille était morte, il dit à sa femme, attends, moi je vais aller chercher quelqu'un. Sa femme lui dit, chérie, tu vas aller chercher un pasteur. Écoutez ce qu'il faut, madame, il dit. Écoutez, il commençait à penser dans son cœur. Oh, je crois que j'irai le voir. Et si il appelle, il appela madame Jairus et dit, tu sais, chérie, j'ai pensé à quelque chose. Oui, chérie, c'est quoi? Eh bien, tu sais bien que je suis pasteur ici. Jairus, bien qu'il était pasteur, mais Jairus n'avait pas le message de son jour. Et il dit à sa femme, chérie, tu sais bien que je suis pasteur ici. Oui, qui allons-nous chercher afin de prêcher à son service funéraire? Non, tu sais, chérie, je ne pense pas à ce sujet. Sais-tu quoi? J'étais de l'autre côté du lac. Il y avait là un moment, j'ai vu ces prophètes de Galilée et je l'ai vu là opérer un miracle. Un jour qui m'a frappé, et tu sais, je crois qu'il pourrait aider ma fille, il pourrait aider notre enfant. Tu, ne crois-tu pas ainsi, chérie? Amen. Peut-être qu'il y a d'autres Jairus ici. Tu te trouves que ta fille elle commence à sortir des rangs. Peut-être qu'elle n'est pas morte charnellement. Mais il faut savoir que Jésus est ici. Alors écoutez ce qu'il dit. Ne crois-tu pas ainsi, chérie? Alors elle dit, sa femme dit, tu sais, je voudrais te dire, chérie, je crois la même chose. Eh bien, chérie, tu veux dire que tu as cru il y a longtemps? Oui, ainsi que moi. Oh là là. Oh là là. Et la paix reviendra dans cette maison. La paix reviendra dans cette maison. Lorsque le père et la mère sont en ordre avec Dieu, quelque chose se produira. Eh bien, dit-il. Et donc, j'arrive sa femme. Es-tu d'accord en cas où il me scommunierait? Serais-tu prête à rester à mes côtés? Et sa femme répondit, chérie, je resterai à tes côtés dans le bonheur et dans le malheur. Ça, c'est mon vœu de mariage. Je l'ai promis que tu seras mon unique homme aussi longtemps que la vie est en moi. Je serai à tes côtés. Si tu veux aller le chercher, je resterai ici sur mes genoux. Voyez-vous, la femme de Jairus connaissait son vœu. Il savait que le vœu signifie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voyez-vous, avant cela, ce n'est pas un peu. Faut voilà me dire dans question-réponse. Voyez-vous, il dit ceci dans le Sioudi, à la page. Sioudi, la question 360. Page 361 à 406. Au paragraphe 184 de 28 juin 1959, il dit ceci. Il dit, frère Bill, de combat les Bill, quelle est la différence entre la fornication et l'adultère? Vous me suivez? Vous me suivez?
Il me semble que vous ne réagissez pas là. Ah, c'est un peu dur, hein, ce soir. Amen. Amen. Bon, enfin, vous faites votre travail de dire Amen, moi je fais le mien de prêcher. Donc chacun de nous sera pointé. Hein? Ah, je fais le mien. Amen. Amen. Frère Bill, quelle est la différence entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19:9. Jésus a dit dans Matthieu 19:9, quiconque répudie sa femme et en épouse un autre, sauf que cela soit par motif de fornication. Il commet adultère. La différence entre fornication et adultère, le mot peut être appliqué en tout cas. Mais pour rendre clair ce qu'il disait là, une femme non mariée ne peut pas commettre adultère parce qu'elle n'a pas un mari contre qui commettre adultère. Pour elle, c'est de l'impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant qu'il ne puisse se marier. Au cas où elle l'aurait fait. Autrement, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la renvoyer. Parce qu'elle a fait un faux vœu. Dites Amen. Quand la Bible dit que l'on chasse ou le rituel dit, le rituel, donc il parle ici, le rituel du mariage. Quand la Bible dit que l'on chasse frappe ou le rituel dit que vous chassiez véritablement, j'en ai en moi un, que si un couple s'unisse de la façon que la parole de Dieu ne le permet pas, leur mariage est illégal. C'est à base des paroles qui sont lues lors du mariage. C'est ainsi que Frère Branham dit que le vœu est faux. Et je vous demanderai, vous rendrez responsable le jour du jugement. Alors que vous répondrez certainement lorsque les secrets de tout le cœur seront dévoilés. Si l'un d'entre vous connaît un obstacle qui rendrait illégal votre union, confessez cela maintenant. Lorsque nous demandons lors du mariage que confesser cela maintenant, voilà, m'explique ici de quoi il s'agit lorsqu'il demande cette question. Au cas où la dame a un vœu précédent ou le monsieur, au cas où l'un des deux n'a jamais dit toute la vérité à son prochain,
C'est-à-dire la femme avait connu des hommes avant son mari. Mais elle a le droit de confesser cette fornication avant le mariage. Et si elle cache cela, c'est pour cela qu'on lit ces rituels. Que entre vous deux, si vous connaissez quelque chose, alors confessez-le maintenant. Car je sais que tout mariage et qui est fait autrement que le conseil et la parole de Dieu, ce mariage est illégal ou c'est un faux vœu. Cela veut dire que le mari a le droit de répudier cette femme et on épouse un autre. Amen. Je vous demanderai et vous rendrai responsable le jour du jugement. Alors que vous répondez certainement lorsque les secrets de tout le cœur seront dévoilés. Si l'un d'entre vous connaît un obstacle qui rendrait illégal votre union, confessez cela maintenant. Oui, tu voyez. Ainsi, la fornication est ce que fait une fille lorsqu'elle mène une vie impure. C'est ça la fornication. Car elle n'a pas de mari. Mais lorsqu'elle est mariée, alors qu'elle agit ainsi de la sorte, elle commet adultère contre son mari, car elle brise le vœu du mariage. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Suivez. Landa. Le vœu, c'est quoi? Le choix d'une épouse. À la page 12, au paragraphe 2. Maintenant, c'est une chose sérieuse lorsque vous allez choisir une femme. Un mari. Quand le vœu qui vous lie, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la raison pour laquelle nous devrons les observer. Vous prenez devant Dieu ce vœu ou cet engagement que seule la mort vous séparera. Voyez-vous, au paragraphe 6, il dit: si vous nous pouvons étudier ce que nous devons faire au moment de se marier, lorsque nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous pouvons étudier cela, un homme devait prier sérieusement de peur que sa vie entière soit ruinée. Souvenez-vous que le vœu est que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voyez-vous, vous promettez à un homme. Ou à une femme. Voyez-vous, vous la promettez que jusqu'à la mort, tout votre amour, vous l'allez l'engager pour lui ou pour elle. Seulement la mort vous séparera. Vous la promettez fidélité, soumission, et amour. Et
te le veux. Et la femme dit, je serai avec toi dans le meilleur comme dans le pire. Et le monsieur aussi dit la même chose. Lorsque cela est fait dans votre vie, pour Dieu, vous êtes marié. Pour Dieu, vous êtes marié. Mais pour les hommes, on dit que vous êtes fiancés. Alors vous êtes fiancés ici. Mais pour Dieu, vous êtes déjà marié lorsque ces engagements ont été pris. Mais pour les hommes ici, pour moi, le pasteur, vous êtes fiancé. Parce que étant ayant pris ces engagements-là, c'est elle ta femme pour toute la vie. Tu as le droit de la convoiter. Ce n'est plus la convoitise. Alors, à ce moment-là, ta pensée est ouverte et pensée tout sur elle. Et vous allez probablement dire que le fiancé doit être la partie la plus courte du mariage. Parce que de peur qu'il puisse brûler, pour qu'il puisse se marier. Je parle qu'il puisse vivre une vie de sûr. Vous pouvez avoir la promesse du mariage. Nous devons honorer les parents. Nous devons honorer l'église. Et vous devez honorer les terres pour vous donner un papier qui vous permet de vivre ensemble et non en concubinat. Et toi qui es citoyen, vous devez avoir un papier au niveau de l'État qui vous permet de vivre légalement. Et pour honorer Dieu, vous devez venir à l'église pour que cela soit légal. Pour honorer les parents, vous devez aller vers eux. Les pensées s'accordent à leurs principes. Parce que le mariage est honoré de tous. Parce que après que les pasteurs prient, à ce moment-là, vous pouvez vous connaître intimement ou sexuellement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Mais pendant ce temps, vous avez quel vœu. Alors vous continuez à vivre ensemble, vous vivez une vie de sûr. C'est vous ceux qui n'ont pas passé ici par les cérémonies. Ils sont entrés chaque instant suyer leur âme. Chaque instant qu'il va vers sa femme, c'est un péché. Dire amen. Montez-moi là où c'est légal. La qui s'en va pas à mon distance. Et vous êtes dans la condition que vous êtes. Vous êtes dans la condition de quoi? Vous êtes dans la condition de quoi? Amen. Un vœu ne vous permet pas que vous ayez des rapports intimes. Mais vous devez accomplir tout. Parce qu'il a dit que Marie et Joseph étaient fiancés. Mais ils ne se connaissaient pas. Dès qu'ils étaient fiancés, ils avaient un vœu. Mais Marie était toujours vieille. Mais pourquoi Joseph la gardait vieille? Parce qu'il attendait la loi qui le permet de vivre légalement.
Mais lorsque Gabriel est descendu, et il s'adressait maintenant en songe à Joseph, il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Mais pour Dieu, Marie était déjà la femme de Joseph. Mais ici, pour le langage des hommes, ils étaient fiers. De nombreux ici sont seulement dans les cas de mais en ce temps, ils sont en train de se suer. L'enfant qui naît là, c'est un bâtard. C'est la raison pour laquelle les Juifs appelaient Jésus bâtard. Parce que Jésus était né avant que Joseph et Marie soient mariés. Amen. Moi, sont rendus à Dieu. Que m'a fait ça, mon Jésus n'était pas bâtard. Mais il était la parole faite. Amen. Et ils sont là, continuez dans la position que vous êtes. Mais continuez à suivre l'église, oui. Là même les légalistes tombent. Hein? Parce qu'ils disent que nous ici nous permettons tout. Les gens disent du mal là-bas à concerne les supports. Alors, qu'allez vous faire avec ceci? Vous trouverez dans les églises. Et ils sont là, mais sont mariés. Quelle position adultère. Surtout qu'ils ont encore la permission de le faire. Ils ont encore le temps. On leur dit rester dans les conditions. Quelle vie soumise. Amen. Et qu'elle n'arrive pas à enlever la paille qui est dans son œil. Oh, nous ne sommes pas là-bas. Ah, les lots sont mais nous sommes ici sous les feux. Dès que ça va, les commandants à l'hiver. Amen. Remarquez que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et non, se rencontre avec une femme en secret. Akutani na mwasi na kobomba ma. On sait que cela veut dire que ce n'est pas public ici. Le feu ne se fait pas à l'église. Mais on les grise ici, c'est moi qui les demande. Si réellement ils ont accompli cela. Et que toi. Maintenant que vous vous êtes entendu en secret. Vous êtes venu devant cette congrégation. Et c'est réellement. Et c'est ça l'opinion. Tu choisis que tu réunis tous les autres femmes. Et seulement s'attacher à elle aussi longtemps que la vie est dans ton corps. Nous voulons que vous pouvez le confesser publiquement. Qui me dit amen? Amen. Donc ici ce n'est qu'une répétition de ce qui est fait en secret. Amen. Amen. Qu'est-ce que le feu du mariage dit? J'ai réuni tous les autres femmes. Alors au moment où tu réunis tous les autres femmes, d'où viendra la polygamie? D'où viendra le remariage et le divorce? Qui peut dire amen? Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Parce que lorsque tu choisis une femme, tu dois renier tous les autres femmes. Je renie tous les autres femmes. Et seulement s'attacher à
vous. Aussi longtemps que la vie sera dans mon corps, je te le promets. Promettez-vous fidélité. Je te promets. Elle aussi dit, je réunis tous les autres. Dans le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que la vie est en moi, je vis avec toi. Et lorsque ces accords sont donnés, pour Dieu, c'est inséparable. Dites-moi. C'est inséparable. Personne n'a le droit de le briser. Sauf le Père. C'est ce que l'ancien temps disait. Et si le papa arrivait à supprimer que sa fille a un engagement. Et ce que papa ou aïe kokundo la yemoke témoin en aïe sa yoasali boyoka ni kuna. Et si ne le dénonce pas, cet engagement restera valable. Et ce que yemisi ango, et ce que yemisi ango, temo kano yemo, mokano moana zuyane eko zalanatina. Mais lorsque Fabre en aime la paix, et tengo mosakola sala kabo unko, et il a brisé cela, temo ngisaka unko, plus tard Dieu lui a dit. Alors remarque, laisse un. Voilà le marco. Deuxièmement, oui, mi balle. Si c'est un mariage mixte. Soke sali bala ya. Donc bala veut dire que un mariage interrace. Oui, sali li balo teru. Dans le cola yomo indo moisi mondele. Et à ce moment-là. Dina tangona. C'est là que je crois. Ce mariage est illégal. Li balana sali balo mon ami son sampe. Et bien que vous dites amen. À moins que le monsieur ou la dame soit métis. Madame mon dame mon bali tomo si ana azala. Azala métis. Parce que le métissage. Pote. Un métis c'est un hybride. Métis ça saline dans mon temps saline dans mes corps mi balle. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Bon, je vais vous parler clairement. D'accord, la bino coller le pays ça. Je crois que ça ne va pas vous blesser. Un métis c'est un hybride. Mon métis ça saline dans mon temps dans mes corps mi balle. Donc en réalité il n'a pas de race. Dès la seule personne saline dans di na. Il est à 50%, peut-être à 60% blanc. Donc, Azaline, Ndambo Moko Mandele. Et un autre, peut-être rouge ou noir ou quoi. Pendambo aussi, Sotomo Indo Tonan. Ça, c'est un métis. Où est le métis? Il est le fruit d'une hybridation. Yé, Azaline, Bouma, Yabo Sangi, Samabila, Komi, Balay, Keseni. Il peut dire amen. Le colossal que Sangisami Bongo. Ça dépend de là où il veut incliner son métissage. Et t'as l'indé pas yé lingate a yekama. Et l'enfant qui naîtra de lui, peut-être avec un noir, c'est un métis. Et l'enfant de cet enfant-là restera un métis. Mais l'enfant qui viendra de cet enfant ne sera plus métis. C'est celui-là qui n'a plus le droit de faire à nouveau un métissage. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, dans le cas de Frau Wanam, n'est pas blanc. De comment ça lui paie à sa mondiale? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Frère Banam n'est pas blanc. Découvrez-moi ça, mon gars, l'été. Frère Banam était un métis. Découvrez-moi ça, la cam métis. Amen. Donc il avait le droit d'épouser même une noire. Mettez-en coca que combat la nata mouine. Dieu l'a mis dans cet état. Je me tiens que bon coup. De façon qu'il ait des races. Dans le dernier test, on a mis qu'on a mis balle. Vous comprenez, vous êtes avec moi? Amen. Après d'avoir une épouse terrestre et une épouse céleste. Pourtant, ça n'a pas été mis en place, mais il n'y a pas de une épouse blanche et une épouse noire. Moi, c'est moi, il n'y a pas de je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est un
mélange. Vous m'en avez dit. Alors lorsqu'il avait mal aux yeux, et tango koma kena passe la miso, le docteur lui a examiné. Donc quand on a talé na masini, il dit, alobina e, ouais, madame, tu es presque un métis. De koma me yo sale koutou métis. Parce que en voyant tes chromosomes, côté na komona ba biloko sala joto na yo, tu es presque un métis. Yo sale koutou métis. Ouais, madame dit oui. Mosa kolobia. Il dit parce que ma mère était métis. Yalo ba te pote maman na nga sala kinda ma sala kanda mo mondela ndambo indienne. Et la mère de ma, donc ma grand-mère était à demi indienne. Et ta maman koko nanga mosa sala kanda mo indienne. Alors c'est de cette famille de des indiens la tribu de Cherokee. De salina koko nanga nana eteni na yo na libota ba Cherokee. Et c'est cela qui se sont mélangés. Yangonda sangana ka. Et c'est cela qui a donné naissance à ma grand-mère qui a donné ma mère. Yangonda botaka koko nanga botaka maman nanga. Et cela m'a donné moi. Hey, maman nanga botinga. C'est ce qui fait que l'hérédité de ces indiens là me pousse toujours d'aller en forêt. Yangonda sala kate bisaleli ya indiana ya bakoko akalana et pousse kanga posa na kenda na zamba. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et il dit ce métissage a pris fin à partir de mes enfants. Yelo bate bon métis wana sukinde banda na bana na ngai. C'est les Philippe et les Joseph qui ne sont pas les métis. Et Saline deba bili pana ba Joseph ba sali sous ba métité. Amen. Ils n'ont pas droit à épouser une jeune. Bangoba kokite kokena kobala moi si asa jeune lokola mo chinois. Ah oui, ils n'ont pas droit à épouser une noire. Donc kobala moi si asa mouindo. Parce qu'ils sont plus, ils ne sont pas des métis. Mais ils sont une race pure. Parce qu'en leur temps, le pourcentage du métissage, ils sont un sang pur. Voyez-vous, au moment où c'est un mariage mixte, vous dès que vous avez promis, votre mariage est illé. Gal, je vais poser les mains à un noir et un blanc. Mais non, comment est-ce que tu côté ma boko na mondele pe na moindo? Parce qu'il donnerait des hybrides et les métis sont têtus. Mais non, comment tu pas na ma boko son mémo? Mais non, ma boko na ma sala kamutu ma casse. Qui peut dire amen? Je vois que je dois dire la vérité. Tu me tiens dans une autre salle. Surtout pour ceux qui ont les ambitions d'aller prendre les blanches. Mingi hein. Je vois que c'est tombé. Hein. Oh. Et il y a encore un autre. Ils appellent Mosisu. Au cas où les vins nous pouvons les briser. Et c'est lorsque vous, le mariage. Libaloyo binonyo sobozali fami moko. C'est-à-dire, Rikoloba. Tu épouses ta cousine ou ta nièce. Obali mwana tata mwasi na yoto mwana ya ndeko na moko. En ce moment-là, la tangwana. Mwana m'interdit. Mosako la pekisi. Amen. Comme il est notre père. Lokola ya sa tata na biso. Ce mariage-là est illégal. Libala wana esali malamu na miso azambeti. Frère madame dit juste en second. Mosakola bébé te kinona. Donc la fille de ta tante. Et te mwana ya tata mwasi na yo. Et ta fille là-bas. Pena mwana na yekuna. Apparemment c'est comme si vous n'êtes pas parenté. Et na komona na lokole te boza famille. Donc votre père et votre oncle paternel peut-être. Et te tamo susondeko ya papa na yo. A marié une femme qui a donné un enfant et cet enfant là vous ne pouvez pas vous marier. Dites amen parce que vous avez le même sang et vous ne pouvez pas vous marier. Donc si vous allez vous marier c'est l'insecte.
Natango bokobala ne talinde likambo ya mabe. Baba na dit cela aura les répercussions. Mosa kolobeti yango ekomemela bino mindondo. Bokobanda bana kaka bilima. Des enfants idiots. Bana moko kaka zoba zoba. Et tu sortiras toujours avec les malformations. Bakobi makaka na mawe na mabunga na soto. Parce que Dieu n'aime pas. Pote samba linga kayango. Et si celle qui est à la maison, c'est la fille de ta de la fille de ta tante, sauf que son anda koneona sali, mwana ya mwana tata mwasi na yo. Dès ce soir, banda poko alelo. Je n'ai pas terminé. Non, si tu sais, commencez à réfléchir. Banda de kokanisa. Tu es devant des choses. Yo sali bosa bino komi balé. Où c'est Christ? Toko landa Christo. Où c'est le sexe? Toko landa mayama kamba bomo ya balé. Oh non, c'est les oncles qui m'avaient donné cette femme. Oh tiens, sali ba noko ba toba ba pesanga mwasi oyu. Oh non, pour que je ne puisse pas faire les enfants ailleurs. Oh tiens, sali pote, ngana bota bana na libota mosumo sikate ba pesinga inde kunango na bala. Si je refuse, ils vont me tuer. Oh son aboyi ba kobomangai. Je vais mourir. Malamu ndo kufa. Et être sauvé. Et on son obiko. Et de continuer à vivre. Mais si que ton landa bolu. Amen. Et en dehors de cela, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je sais pas si vous êtes avec moi. En ce moment là, même si vous avez vos voeux, c'est un faux voeux. Un faux voeux. Oh, on est marié. Oh, to balana. Oh, il a épousé l'enfant. Bon, en réalité, nous sommes un peu parentés. Hein? Bon, tu as pas la moine. Vérifiez bien votre parenté. Mais, dans son endet, tu as la moine famille. Quelle est la moine famille binoa? Parce que leur mère, la mère de leur mère, avec notre père, ils étaient même parentés. C'est entre nous. C'est faux. Oh, mon maman et maman na yé, nan de tata, moi, c'est le bazar que coûte famille. Voilà ma paix. Dites amen. Même si vous avez fait 10 ans. Attends, qu'on s'en est mis. Je peux dire même 60 ans. Lorsque la parole est venue à moi à 60 ans, moi je le recevrai. Ah oui, parce que la révélation lorsqu'il vient. Et la révélation est venue à Moïse lorsqu'il avait 40 ans. Pour 90 ans. Un Dieu est venu à lui. Abraham, lorsqu'il avait au moins 75 ans, un Dieu est venu à lui. Et il peut venir à un jeune. Qui peut dire amen? Oui. Il n'est jamais trop tard. Et le jour où la révélation vient à toi, tu prends position. Qui veut dire amen? Amen. Je vois que ça rentre. Hein? C'est rentré? Dites amen. Oh non, c'est les parents qui m'ont conseillé cette femme. Ouais, ça va bon, tu vas te faire un balobi dans la balle à moi, si il faut l'épouser. Et bon, go, va la vie. Hein? Le choix d'une épouse, c'est papa qui va faire le choix. Papa, non, moi, ça, le bal est comme papa, moi, t'as pas là, yo, yé. Dans l'ancienne alliance, oui. N'a qu'à ta boyo, kani à calame, oui. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul Père qui choisit pour toi. C'est le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Tout ça, là, ce sont les faux mariages. Là, ça devient calme. S'il n'y avait pas ces promesses, sauf que ça la canne est la côté. Je crois que vous avez compris qu'il n'y a pas de mariage. L'endemi voye bete libala li salakati. Mais s'il y a les promesses, sauf que la canne est ma caboui. C'est ainsi que, des aliboyeti, lorsque vous allez avec une autre femme, le temps que il n'a moins si ou un autre homme, que nous m'avons si
En faisant ainsi, vous avez brisé la promesse et la ka que tu avais donnée. Oyo pesaka. Parce que tu avais dit Polo bakaboye jusqu'à ce que la mort, pas jusqu'en attendant la mort. Non. Jusqu'à la mort. Kino le but n'est pas que on verra si tu es un peu sage, Dieu voulant, on va voir. Je te marierai. Oh, il m'a promis qu'il me marie. Oh, le bananga t'a cobala ngai. Oh. Qui peut dire amen? Où il y a d'autres? Deux ans avant mon fils. Je t'aime. Nalingio et Nalingi. Ah, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Nalingio, c'est la maman bananga. Moi, je suis pour que je puisse te mettre à la maison. Gana zalika pona tio nanda konanga. Ah non, et tout cela va se voir des parents. Qu'en a compté la babote? Oh non, moi j'aime votre fille. Si vous ne la voyez pas, elle est avec moi. Alors voilà le vin. Tantôt, c'est pas le monsieur qui parle. T'as la vigne en gros. T'as monsieur, ça l'y est, moi, comme au bali, mon le bati. Alors les parents, amen. Est-ce que tu l'aimes, ce monsieur? Babote, yo, l'ingi, mon bali, oui, je l'aime. Eh, n'alingi. Ah non, nous aussi, nous sommes d'accord. Allez-y vivre. On va voir. Si vous avez les enfants, vous viendrez. Alors vous allez, et vous êtes là en train de vivre. Si vous allez dans la confane, n'avez pas de vœux. Attendez à l'ibalaté. Qui veut dire amen? Donc on arrive au seconde chose, la première chose n'était pas accomplie. Ah, les parents n'ont que donné en mariage. C'est toujours Noah. C'est toujours Noah, mais les alikas cassent le col à tango à Noah. Eh, ils n'ont pas honte? Mais dans la sonité. Un enfant comme moi, comme ça, à 30 ans, moi, je ne suis pas un gars qui est comme ça. Papa et maman ne sont jamais mariés. Papa et maman ne sont pas balanatis. Ou papa est toujours en train d'observer. Donc, papa, Azalina, le côté là, vis à l'aide à maman. On n'a pas encore l'argent. Attends, qu'on a notre temps en banque. On cherche d'abord l'argent. Donc, nous avons une banque. Toko Salango. Vous serez surpris. Bokoka, moi. Amen. Et la mort aussi va vous attendre. Elle est où, fait cause la vie? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas choisir, c'est le jour de votre mort. Ne croyez-vous? Amen. Et remarquez, c'est pas un mariage, s'il vous plaît. Où est-ce que ça la tête, ça? Les gens croient que le mariage, ça allait donner la boisson. Mais tu vas faire ça, masanga. Depuis quand dans la parole de Dieu la dot c'est le mariage? Ça c'est ma femme mais j'ai payé la dot. Oh moi si on a payé ça bongo libala. Et c'est la dot est dans le message? Bongo libala c'est la carte sans malamu. Ça c'est les coutumes. Wolande mon message na bomoto. Qui peut dire amen? Amen. Et je ne croirais pas que si j'ai ma fille. Ngana kondimete te soki na mwana na nga mwasi. Et qu'un frère veut l'épouser, et de je vais lui demander d'amener moi 400 000. Je ne lui demande rien. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Que ce va sur être avec moi. Amen. Je ne lui demande rien. C'est au monsieur. Il t'a l'indé mon mobali. S'il voit qu'il peut m'honorer, moi étant que papa, il veut me donner quelque chose. Même s'il veut me construire une maison comme John Smith, qu'il avait fait après Banana, ou il veut m'acheter une voiture, mais il me fera quelque chose d'honorable. Parce que John Smith avait le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? S'il le fait, c'est lui. Mais c'est pas l'argent. Moi, je souhaiterais qu'il puisse bien traiter ma vie. Voilà un broumbaque.
Dans la brumba. Il dit Billy, tu sais. Il y a le bête Billy au Yébi. C'est pas l'argent qui fait l'amour. Et Zalim Bango, c'est mon test à la Kaboli. Tu me promets que tu vas bien la traiter. De son corps, la Kinga Toko, ça lui c'est mal à l'amour. Prends-la. Kamaka, il n'y avait pas de dos. Et ça, quand la bombe à l'Iba, la tête. Amen. Ce qui est bon pour l'un est bon aussi pour l'autre. Oui, ça lui malam pour la oyo, ça lui peut malam pour la oyo. Ah, le mariage sans dot. Oh, liba la bamba, liba la terre. Amen. Le même Saint-Esprit. Que mon livre Saint-Ouana. John Smith est venu. John Smith Ayaka. Frère Madame, je l'aime. Frère Madame, la lingue. C'est vrai? Il y a ça, là? Oui, moi, c'est pour l'épouser. Un gars qui a capon à balayé. Ils sortaient déjà ensemble. Bah, si, bah, si, bah, comment qui va camarade? Bah, ils étaient déjà des copains-copines. Pas les copains-copines dans le sens maudit, là. Bah, si, bah, comment qui camarade? Parce que camarade, il y a un gars qui m'a tangu à mobilité. Dites amen. Amen. Frère Madame, dit. On s'accola le vas-y. Et cherche le Saint-Esprit. Bon, Kenda, Lukana, nous libons son Molimo Saint. Si tu as le Saint-Esprit. Soko, comme dans Molimo Saint. Tu prends la main. Aoko, Koko, Kamaka. Amen. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour épouser ma fille ici. Et bon, ghetto, ça, dans Molimo Saint, tu peux pas la moine en moi, si à oua. Le croyez-vous? Et je dis en vous. Et toi qui es pasteur, toutes les filles ici sont mes filles. Le col pasteur, banabasino sobasali banananga. Je l'aime. Nalingi bango. C'est ce qu'on va te faire passer à la loupe. Yebake te tokota lona ton microscope. Frère, va chercher le Saint-Esprit. Ngeko kena konukana no molimo sang. Vrai pasteur, je crois que je l'ai. Eh, pasteur, na monete na sina zuyango. Cherche encore le Saint-Esprit. Lukana no molimo sang. Tu peux dire amen? Et le jour où John Smith a reçu le baptême du Saint-Esprit. John Smith a zoka le baptême du Saint-Esprit. Directement, Frère Madame écoute des cloches. Bala Mokan de Kobama Kamati téléphone. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, non, non. L'expérience que tu viens de passer maintenant. Mon mécano outil conseil au commande à Sikoyo. Je crois que tu l'es. Nandimete aux yeux avec vous. Tu peux l'apprendre. Au coco Kamata. Amen. Amen. Et John Smith avec le Saint-Esprit en lui. Mais John Smith finalement mon saint la moté managé. Il savait que comme ce titre m'a fait l'honneur de me donner sa fille. Il m'a fait le col à moto à passer le coup à copain sans gamin en aïe. Alors qu'il a souffert de, il a tout fait pour me garder cette femme. Et telle que ça la quignon se peut abattre la gamin sur yo. Alors je ferais mieux faire quelque chose pour moi. Dès la cosa la malade la salle et moi elle est envie. La terre où on a un bon mot. Il n'était même pas encore marié. Non, non, faut tout babala na qui. Il était fiancé. Balakana qui n'a pas le bal. Talo ya salat. Le terre où on a apprécié. Et le comment va se péler à qui l'a envie. Qui te dit la main? Je crois que si moi j'ai le Saint-Esprit. Andi mette sur Kinga na sala mori mo santo. Et que la dot on me le demande pas. Et un bon goli bala basse na gango. Et que quelque chose pour mon beau cœur. On a posé le nom de son tata et moi à bout de moi. Qui te dit la main? Je ferai quelque chose pour ma belle famille. La posala non ko pona mo se babosi. Amen. Parce qu'ils ont souffert pour élever ma femme. Et ils me l'ont donné. Parce que c'est pas facile. De leur arracher cet amour. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils aimaient. Et ils me l'ont remis. Oh, ils ont droit à un certain honneur. Et ils ont droit aussi à ma participation. Oh, je vous pouvez acclamer. Dans dimanche, je vais chanter un grand bon. Amen. Je vois que la monnaie est un acquis. Et puis, c'est de l'autre côté. Oui, ils ont dit que l'on a mon mosiso. J'aime ce Dieu-là, il est très sage. Ngana linga kazambo pota sana bonya mingi. Dit amen. Mais moi, je ne connais pas la dot. Ngana yebi mbongo libala ti.
ça, de tout de même jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas. Voilà, attends, bongo kino le lona yebi na ngai yango te. D'autres disent non, parce que je ne sais pas qu'ils avaient la copesse yango, ça dit tete bango ma. Le même esprit qui est conduit les frères. C'est mon limonade, c'est mon limonade. Le même esprit qui est dans les frères. Les amis, fais mon limonade, c'est mon limonade. Alors cherchez le mariage, ils amèneront les dons. La coquine est connue, Kalibara va quand même à Makabu. Et les gens justifiés, c'est la dot. Quelle dot? C'est parce que le bon bon Kalibara, on peut bon Kalibara. On fait la dot, on jette une liste. Votre bon Kalibara, babo, tiens, moi, si ma copine, son mot, tiens, Babiloko. Je ne veux pas dire que si ta belle famille ne croit pas. Voilà la ligne qu'on va tête, soit qui babo, tiens, moi, sinon, on va limiter. Ils te disent, bon, la liste est là. Ah, le bilan, bon, liste, ma biche, c'est là. Ah, tiens, ça, maman, on va le vivre, yo. Non, comme un bon Kalibara, tiens. Tu es en heureux. Deux, ça, la ligne. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Si me donnons bientôt même 5 millions, moi, si j'aime ma femme, je paierai. Ce qui m'a 5 millions, million, million, ce qui n'a ligné moi, si n'a gagné dans le foot. C'est ce qui est vrai. Mais on est des amis solo. Mais il y a une chose. Des années là, comme encore. Que je demanderai au père. On a continué dans le monde. Et même si tu amènes rien, et tu attends qu'on me met à leur côté. Notre code de famille ou notre constitution. Amen. Mibeko ya l'état, ya école na biso Congo et le Biboy. Et il faut donner 50 000 aux parents. Et tu es bon, on paie 100 000 et tout comme il y a babote. Parce qu'ils demanderaient aux frères là-bas à la mairie. Pote bakotou nan de kokuna na la mairie. As-tu reçu les 50 000 du monsieur? Tata mwana, oyamba ki mili tukumitano ya mobale oyo. Non, c'était un frère. Eh, le frère a qui frère? Bon, je n'ai pas reçu. Non. Tu te dirais, alors monsieur donne 50 000. Mbala mokolo bakolo mwana mobale fait 100 000 tukumitano. Là, c'est pas le frère qui a demandé. Mwana salinde komota sengiti. Pour être en ordre avec la loi. Mais dans pas le colanda ma Jésus écoute. Avait payé les impôts, quoi qu'il soit le créateur de ceux de la loi. Qui peut dire amen? Nous devons obéir à la constitution. Et nous devons respecter les autorités. Qui peut dire amen? Même si nous maltraitons, à tel comment qu'on veut qu'on l'abisse. Moi, je l'ai respecté. N'a pas qu'on tourne sa bande. Frère Manon me dit, j'obéirai au grand boss. De comment m'a l'obéité le grand boss, donc le grand chef. Et il n'a pas qu'on m'a dit, c'est mon aime. Il est juste obéiré. Moi, je suis contre les femmes politiques. À quel point la ligne a commencé à m'appeler sous deux. Mais si elle m'arrête, je suis obéiré. J'obéis à la loi. Moi, c'est un grand homme qui est le grand boss. Oui, c'est un homme qui est mon aide. Qui dit la même? Alors, moi, je crois à la dot. Mais je suis un homme qui est un bon libal. Amen. On dit ta mère à ça. Parce que la constitution me l'oblige. Pour te mauvais connaître, c'est une grande paix. Vous suivez cela? Vous suivez cela? La constitution me l'oblige. Mauvais qualité, c'est une grande paix. La dot. Bongo Libala. La constitution dit 50 000. Mauvais qualité, le 8 000 et tout comme il tarde. C'est tout. Kakawana. Ça, même si tu as donné 1 million. Voilà, attends qu'on fasse 6 millions encore. Dans l'acte de mariage, on mettra seulement 50 000. Quand tu as mon candal, il balle pas l'état, à côté à 1000 et tout, comme il fait ça. C'est tout. C'est Wana. Mais l'ancienne ville, de Nambokakala, lorsqu'on disait, allez-y mettre en ordre. La tango va le mettre, moi, qu'elle va te bonger. Les gens croyaient qu'ils allaient payer les 600 000. Bah, tu vas au cancer, t'es qu'un autre foot à 1000, comme à Motoba. Non. Être en ordre signifie. Ouais, quand tiens, bon, moi, il n'a pas besoin, moi, il va les dire qu'on le bat. S'il n'y avait pas les effets, les mêmes. Soit qu'il n'y a pas les balles, ça l'a quitté, bon, ça l'a aussi couille. Deuxièmement. Ouais, mi balé. Voyez les parents. Ou t'as la babote. S'ils exigent
même 2 millions donnés. Ce qui va 5 millions, il va les payer sa banque. Et après cela, venez voir le pasteur. Il y a comme un pasteur. Et pasteur, vous mariez. Le pasteur a cobalé Sabino. Ça c'est clair. Voilà, ça ne t'arrête pas. Et que sous quand allez-y voir le magistrat. Bon, Québec, comment on a l'état. Et il vous donnera un papier. Bien, copain Sabino Mokanda. Qui vous permet d'être légalement marié. Oui, copain Sabino, et peut-être vous allez moi sinon mon balin. On tout. Wana est un candé bon coup. Je dis c'est un contour. Nab. C'est clair. Ils ont bon goût. Le mariage ne signifie pas simplement ici. Liban a l'ingé kakakosuka. Même ce soir. Attends qu'on a pourquoi aller là. Parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment. La maison de Dieu, c'est moi. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Je crois que le dimanche, nous allons continuer. On devait être dimanche au Tokolanda. Toujours sous le vœu. Kakase Nanda et Libala. Écrions nos têtes. Donc vous avez moutou nassé. Il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus.